Bonsoir. Oui. Bienvenue sur Asso Chéro Productions, ici Camillo. Je suis peut-être un petit peu con de vous dire bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et en plus sur Minecraft. Ouais, beaucoup d'absence, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Nique sa mère. Salut à tous, c'est Calio et bienvenue dans cette vidéo incroyable où on va faire une série sur Minecraft. Écoutez, ça fait un moment que je joue à Minecraft, ça fait un moment que je remate des épisodes de Fantaï Bob, plutôt qualitatives les unes que les autres. Et puis j'ai envie de faire une petite série solo. J'ai envie de faire une petite vidéo Minecraft, même une série Minecraft sur une map aventure de Zelda. J'ai cherché, cherché, puis j'ai trouvé. Voilà, en espérant que si mon cher Spooky, tu regardes cette vidéo, j'aimerais beaucoup qu'on fasse une map Minecraft ensemble. À 3, à 4, à 1000, à 0, je ne sais pas. En tout cas, bienvenue à tous, nous sommes sur la map Minecraft de Zelda Battle Quest, c'est ça? Donc je vais vous lire un petit peu ce qui se passe un petit peu ici, bon dans dedans. Vous êtes Link, un apprenti chevalier, coulant des jours paisibles sur vos terres natales. Hyrule. Un jour, la princesse Zelda, que vous connaissez bien, vous invite à vous rendre au château pour vous faire remettre votre diplôme de chevalier. Diplôme que seuls les bons élèves à l'école de chevalerie obtiennent par le roi lui-même. La classe. Comme vous l'auriez compris, le royaume d'Hyrule est envahi par des hordes de monstres et vous seul pouvez le sauver en éliminant les monstres de 14 niveaux. Cette map s'inspire du mini-jeu Battle Quest de Nintendo Land, d'ailleurs pour cela que le monde est en laine. Nous avons ce qu'on appelle un livre, et sur ce livre, il y a quoi? Options à configurer. Ces options suivantes sont obligatoires pour le bon fonctionnement de la map. Est-ce que vous êtes prêts tous ensemble? Oui, capitaine! C'est parti, allons faire la map. Oh, bonjour Link, c'est moi Zelda. Je vois que tu as accepté mon invitation. Oui. Je suis heureuse de savoir que tu es en pleine forme, car j'aimerais t'annoncer quelque chose. Non, c'était pas dans cette voie-là. Tu sais quel jour on est, Link, pas vrai? Je disais, oh, tabarnak. Je crois. Tu es très futé, Link. Je pensais que tu aurais oublié, car je te connais. Tu oublies tout le temps les journées importantes. Aujourd'hui, c'est la remise de ton diplôme permettant d'utiliser une épée et de quitter la citadelle d'Hyrule. En dehors des cours. Oui, je sais, vous voyez pas à cause de mon fond vert, mais je vous lis, hein, t'inquiète pas. Et c'est mon père en personne qui te le remettra. Car aujourd'hui est un grand jour pour toi. Tu sais, Link, quand mon père te remettra ton diplôme, on pourrait peut-être se balader dans la plaine d'Hyrule. Tous les deux, non? J'aimerais bien, oui. Vraiment? Je savais que tu allais dire oui. Mais d'abord, attendons que mon père te remette ton diplôme. Et après les cours, on pourra... Oh, bonjour à toi, Link. Tu as donc accepté l'invitation de ma fille. Elle va très bien. Entre par cette porte pour que je t'encule ta grosse mère. Oh, salope. Remise du diplôme. Félicitations, Link. Tu as reçu ton diplôme de chevalier. Tu es maintenant une personne très importante au sein de... Bravo, Link. Je suis heureuse que tu aies reçu ton diplôme. Tu es enfin libre de faire tes propres choix pour ton fucking avenir, motherfucker. C'est un tremblement. Regardez par cette fenêtre. Oh non, mais quelle est cette force obscure? Au centre même de la citadelle. C'est quoi ça? Ça ne peut être qu'une Ganon. C'est Ganon. Fuck that shit. Père, faites quelque chose, les choses grossies semblent provoquer peut-être maléfique. Link, je n'aime pas demander cela, mais tu dois vaincre ces créatures et trouver la cause de cette catastrophe. Écoute bébé, Hyrule repose entre tes mains. Tu es le seul chevalier capable de mettre fin à ce désastre, motherfucker. Ok bébé, n'oublie pas que tu es en ta position l'une des trois puissances ultimes des DS. Fais attention à toi Link, et bonne chance. C'est parti en couille. En jeu, si vous ne trouvez pas le bouton ou qu'il a été détruit, vous êtes autorisé à faire cette commande give pseudo ton bouton. Ok, choisissez une classe, vous pouvez changer plus tard, très bien. Perso, moi j'ai toujours été le rouge parce que la puissance est aussi forte qu'on anus. Donc on va utiliser le rouge. Hop, on se met tout ça bien en place. Oh damn, Calio, motherfucker, motherfucker, motherfucker. Est-ce qu'on commencerait pas par la toute première map qui s'appelle la prairie initiatique? Commencez, bim. Oh, ok, ça commence déjà, putain de tabarnak. Wouh, waouh. Mais c'est génial. L'XP, les rubis, tout machin. C'est tellement classe. Oh, yo, tiens, prends ça, ma crayon. Tu es un faible comme ton père. Ok, mon bouton, il est là. Placez le bouton sur le bloc pour passer à la suite. Ouh, mais ça a l'air d'être une map plutôt qualitative. Ah, bim, bim. Allez, meurs, mes crayons. Concentration, bim. Toi aussi. Wow, tabarnak, hop, les. Wouh, wow, il va se calmer, oui. On va essayer d'avoir du haut. Oh, attention, attention. Oui, oh, aïe.
Bon, clairement, à la place du livre, hein, car sinon, on s'en met un petit peu les couilles. On continue personnellement. C'est plutôt sympathique. Franchement, cette map, elle est plutôt sympathique, hein, clairement. Ninja. Donne-moi ce fucking bouton. Voilà, un bouton obtenu. Il sait pas que je suis là. Wapélé. Voilà, bébé, ça fait toujours plaisir. Très bien, donc nous sommes ici. Maintenant, on a beaucoup de... On a du rubis, clairement. Ouh, t'as cru que je t'avais pas vu, toi. Oui, toi, hop, bim. On prend celui d'en haut. On perd pas de temps. Wow, ça fait toujours plaisir. Boum, bam, bam, bam. Ouh. Oh, comment je l'ai fait victime. Ok, on reprend de la vie de façon... plutôt qualitativement. Ouh, toi, mon salaud. Merci. Oh, ninja. Oh là là, mais c'était tellement fastoche. Ah déjà, les rubis, ça va ici. Ok, nous avons quoi? De la laine bleue, très bien. Nous avons des rubis verts et des rubis bleus. La laine verte aussi. Wouh! Oh mais ils vont vite. Oh mais ils sont trop puissants. Oh, wow. C'est un grand malade. Fuck, j'espère que j'en aurai d'autres, des potions de soins. Ah, j'avoue, je fais un peu de la merde depuis tout à l'heure. Oh, ok, mais en fait c'est plutôt rapide. La prairie initiatique. C'est pour nous initier, hein, j'imagine. Ok, déposez vos disques ici, écoutez vos musiques préférées dans le jukebox. Ok, on peut recevoir des disques. Et ici c'est le coffre à rubis et à loot. Donc voilà, hop. Toi, du coup, on va te garder ici. Et je pense, avec tous les rubis qu'on a, du coup, rubis bleu, hop, on peut avoir, voilà, une potion de vie. Ok, il nous faut de la laine rouge, très bien. C'est quoi ça? Potion verte, régénération, plus speed. Ok, moi il nous faut de la laine rouge. Ok, on a que la laine verte et la laine bleue. Putain, c'est super classe. Franchement, je suis vraiment ravi. Ouais, c'est vrai, on a 14 niveaux. Les bois perdus. Wouhou! Comment c'est? Alors, où est-ce qu'on est? Oh, c'est trop bien. C'est genre des petits mini-monstres qu'on peut battre et qui nous donnent... Oh, par contre, toi, mon gars, toi, t'es moche. Wanda? C'est qui? Le BG ici de la street. Toi, c'est quoi ce qu'il y a en dessous? Oh, mais t'es qui, toi? Mon passe, voilà. The Legend of Zelda Ash. Hop. Encore une fois, boum. Toi aussi tu me bats. Ok, j'ai aussi un bouton. Donc toi par contre, toi tu vas là. Oh, cool, de la laine rouge. Ça fait Zarma plaisir. Ok, toi je vais t'avoir aussi. Tu penses que je t'aurais pas? Alors qu'en fait, tu es qu'un faible. Parmi les autres faibles. Voilà, merci beaucoup. Wow, il y en a beaucoup trop, mais ils sont beaucoup trop... facile, mon gars. Santayo. Ok, on a reçu un nouveau bouton. Ok, si on pète les petits trucs, on aura de la laine rouge. Taillot. J'espère qu'on aura un boss, hein, à la fin. Boum. Taillot. Oh, putain. Oh, mais meurs. Mais wesh, il meurt pas ou quoi, là? Ok, j'ai reçu le bouton, wesh. En fait, les niveaux sont plutôt faciles. Bah voilà. Niveau 2, les bois perdus, terminé avec succès, putain. Franchement, c'est plutôt classe. Donc, du coup, je vais me prendre le truc de la vie. On va prendre ça. Voilà, c'est toujours plaisir. Ok, petit problème. La laine rouge, il nous en faut 24 et on en a que 11. Donc, pour éviter que je meure comme un gros sac. Le flash, j'imagine qu'on n'a pas beaucoup parce qu'en fait, on n'a pas besoin. Putain, en fait, c'est vraiment classe. Donc je vais faire le niveau 3, c'est parti, est-ce que vous êtes chaud pour le niveau 3? Moi aussi, je suis totalement chaud patate. Nous sommes dans le temple de la prairie. Plutôt sympathique, allez, taillou. Bam. Paf, le diplôme s'en bat aussi un peu les couilles, hein. J'ai toujours pas reçu le bouton. Oh, t'as cru que je t'avais pas vu, toi, hein. Voilà, le fameux bouton obtenu. T'es malade. Oh, yes, je vais avoir de la laine rouge. Bam. Ouh. Mais mon gars, vous ne pouvez pas me vaincre. Je suis Link, le grand champion du monde de toute catégorie d'Anus. Je passe par ici. Taïo. Voilà, et lui maintenant. Voilà, merci beaucoup. On n'a oublié personne, j'espère. Bravo, c'est bien Kelio, tu es très très fort. Oh, mais tabarnak, il y a tellement de gens. Ok, on attend, on se met tous bien ici. Allez. Oh. Ok. Toi aussi. Mais c'est trop fort, mon gars. Voilà. Oh putain de merde, ça me zaffe. Oh putain, on est dans un côté d'un château. Hop, bam. C'est qui le bonhomme? C'est qui? Oh là 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 là. Ok. Ça, d'après moi, ils sont très méchants. Bon, j'ai dû recevoir quelques trucs, hein. Pas beaucoup, hein. Oh là là. Oh le bonhomme. En haut, il y a toujours rien.
Mais on récupère de l'XP, il est toujours avec le... Oh, on peut manger une potato, mais il me sert un peu à rien la potato. À l'attaque! À l'attaque, à l'attaque, oui! Bah voilà, c'est toujours plaisir. Et on remet le petit bouton à sa place. On reprend l'épée. Réceptacle de cœur débloqué niveau 3. Ça a été fait. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a du coup? Qu'est-ce qu'on pourrait... On a 11 laines rouges. Instant heals. Restore toute votre vie. Ah! Si ça restaure toute ma vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des petits... Il nous faut des massues tout pour faire la manche d'épée et ça. Oh, oh là, alors là, l'épée de légende. Waouh, tellement de choses, tellement de choses. Comment on peut avoir des rubis d'or? Ok, le loot. La laine bleue contre ça, non, j'ai trop besoin. Armure et objets spéciaux. Protection. Ouh, il nous faut des rubis dorés pour ça. C'est plutôt badass. Mais malheureusement, je vous dis à la prochaine fois pour la suite de l'épisode. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Social Production pour aussi avoir la magnifique suite de Cacalité de Cacalio. A bientôt.